Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va attaquer une question épineuse. Comment investir quand on a des petits revenus, quand on n'a pas de capacité d'emprunt, quand pour des questions X ou Y, on ne peut pas emprunter, quand on sort un petit peu, voilà, de la norme habituelle, des cases habituelles. Donc dans cette vidéo, il va y avoir deux parties. Alors la première partie, c'est un petit peu l'idée générale. Pourquoi et comment en fait tout le monde peut investir en immobilier. Il y a un cadre bien précis qui permet à tout le monde d'investir. Et la deuxième partie de la vidéo, ce sont vraiment des pistes concrètes, des idées, voilà, ce que vous allez pouvoir faire en fait de manière plus concrète. Mais c'est important de comprendre l'idée générale, le cadre général, et après on va aller dans des choses beaucoup plus concrètes, entre guillemets, de manière à ce que vous ayez du pratico-pratique. Donc, première partie de cette vidéo extrêmement importante que vous devez avoir en tête, c'est qu'en fait, tout le monde peut investir en immobilier. Ça, il faut vraiment le comprendre. Et il y a une règle, jusqu'à 100 000 euros, tous les Français peuvent investir. Parce qu'aujourd'hui, toute personne, même avec des petits revenus, peut emprunter jusqu'à 100 000 euros. 100 000 euros sur 20 ans, ça représente une mensualité de 500 euros aujourd'hui. Et sur 25 ans, ça représente une mensualité d'environ 440 euros. Donc, ça veut dire que si vous avez de petits revenus, pour moi, c'est quoi un petit revenu? C'est un revenu qui est autour de 1500 euros par mois. Ben, vous avez cette capacité d'emprunt-là. Il va falloir faire 2-3 trucs, mais vous avez cette capacité. Le véritable problème, c'est qu'il faut que vous restiez en dessous de 100 000 euros. Et ça, tout le monde ne peut pas le faire. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Vous vous dites, bah oui, moi j'habite dans telle ville et dans cette ville-là, le prix de l'immobilier, il est plus élevé. Il n'y a rien à 100 000 euros. Alors, vous allez voir qu'en fait, il y a des choses à 100 000 euros dans toutes les villes de France. Ça, c'est la deuxième partie de la vidéo. Mais dans un premier temps, ce que vous devez comprendre, c'est que peu importe où vous êtes aujourd'hui sur le territoire français, à 100 km à la ronde de là où vous habitez, il y a une zone où vous pouvez trouver des biens immobiliers type des T2 par exemple à moins de 100 000 euros. Mais pour ça, il faut savoir faire 4 choses pour pouvoir obtenir ce type de bien et pour pouvoir être rentable avec. Le premier point, c'est que vous allez devoir avoir la capacité de pouvoir identifier un marché immobilier et de pouvoir le cerner. Est-ce que c'est intéressant d'investir dans cette zone? Est-ce que, parce que, bon, oui, les prix sont bas, mais est-ce que c'est valable? Est-ce que je vais pouvoir avoir un rendement? Ça, c'est extrêmement important. Donc, la capacité à qualifier le marché, à voir s'il va plutôt évoluer de manière positive ou de manière négative. Parce que dans certaines zones, ben oui, ça coûte pas cher, mais il y a une raison. Parce qu'il y a un manque de demande locative, parce que les perspectives sont mauvaises et ainsi de suite. Et les habitants le savent. Et donc, ben, le marché a tendance à être soit stable ou à baisser ou à ne pas monter depuis très longtemps. Mais vous, en tant que personne qui venez de l'extérieur parce que vous cherchez une zone où vous pouvez investir malgré un pouvoir d'achat qui est faible, ben vous n'avez pas toutes ces informations. Donc, pouvoir qualifier un marché, c'est extrêmement important. D'ailleurs, en parlant de ça, ben j'ai créé un magazine pour ça. Ce magazine, il regroupe les 273 villes où vous pouvez investir en France. Donc, vous allez avoir un topo par région avec les départements et avec les villes qui sont intéressantes et mon top 3, top 5 en fonction des régions. Donc, ça, vous pouvez regarder en description. Ça va vous donner des éléments et vous avez aussi un fichier Excel qui va vous être donné. Voilà, pas mal de choses. Je vous laisse regarder ça et on continue. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est de pouvoir identifier le bon bien immobilier. Bon, dans un marché où les prix ne sont pas forcément élevés, il ne faut pas oublier que malgré tout, tout le marché n'est pas homogène. Il y a des biens immobiliers qui vont être intéressants et d'autres qui ne le seront pas. Voilà, deux T2 ne se valent pas. Donc ça aussi, c'est une compétence qui est extrêmement importante. Vous allez prendre en compte l'emplacement, vous allez prendre en compte comment vous allez pouvoir modifier ce bien. Est-ce que le prix est bon par rapport à son état, par rapport à son emplacement et ainsi de suite. Donc, pouvoir identifier le bon bien, c'est juste une nécessité et ça, ça manque. La plupart des gens pensent un peu naïvement qu'il y a un prix de marché. Oui, il y a un prix de marché, c'est-à-dire qu'en moyenne, les T2 dans cette zone coûtent tel prix. Mais nous, en tant qu'investisseurs immobiliers, on peut toujours acheter en dessous de ce prix du marché. Donc, vous devez identifier le bon bien au bon prix, extrêmement important. Alors, je vais un peu vite sur ces notions parce que j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, mais c'est pour vous rappeler l'idée générale avant de vous donner des idées précises de choses que vous pouvez faire. Le troisième point qui est important, c'est le mode d'exploitation.
de T2 par exemple, ils ne vont pas pouvoir forcément être exploités de la même manière. Parce que dans cette zone-là, ça peut être intéressant de faire de l'allocation de courte durée, par exemple, et dans une zone juste à côté, ça ne le sera pas. Et vous n'allez pas avoir le même chiffre d'affaires et du coup le même cash flow si vous n'avez pas la possibilité d'avoir les deux mêmes modes d'exploitation dans deux biens qui sont placés à un endroit différent. Donc en fonction de ce que vous pouvez faire avec ce bien, il y a des biens qui vont être plus chippés pour des étudiants parce qu'ils sont un petit peu petits, parce qu'ils n'ont pas un emplacement numéro 1, donc vous allez pouvoir louer à un certain prix, très bien. D'autres qui vont avoir de meilleurs emplacements et qui vont être plus adaptés par exemple à l'allocation de courte durée, ainsi de suite. Donc en fonction du mode d'exploitation, vous allez avoir la possibilité ou pas d'être rentable. Parce que c'est bien beau d'acheter par exemple un bien, voilà, moins de 100 000 euros et d'avoir une mensualité effectivement qui va être petite. 500 euros si vous prenez sur 20 ans, 440 euros environ si vous prenez sur 25 ans. Mais en face, il faut faire rentrer l'argent. Là, on parle d'une problématique spécifique, des personnes qui ont des revenus qui ne sont pas extrêmement importants. Donc, si vous n'avez pas de loyer qui rentre en face, ça va vous poser problème. Il faut bien rembourser ce crédit et vous n'allez pas compter sur le surplus que vous avez avec votre travail pour faire ça. Donc, il faut que le mode d'exploitation soit adapté et qu'il génère du cash flow extrêmement important. Et le quatrième point, toujours dans cette idée un petit peu générale, comprendre le concept qui fait qu'on peut tous investir en immobilier si on attaque des biens qui coûtent moins de 100 000 euros, c'est la fiscalité. Voilà, la fiscalité, c'est extrêmement important. Vous pouvez vous faire plumer tout simplement, pas parce que l'État français est voleur ou je ne sais quoi, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs. Par exemple, quand on investit en général, on ne se pose pas forcément la question de savoir si on va faire ce qu'on appelle un régime réel ou si on va faire ce qu'on appelle un régime micro. Donc un régime réel, si on dit ça très rapidement, c'est un régime où vous allez pouvoir déduire toutes vos dépenses de votre investissement immobilier, du coup avoir une base imposable beaucoup plus petite. Et un régime micro, c'est juste un forfait. Donc par exemple, si vous achetez un appartement, vous le louez en location nue, un régime micro, vous allez avoir 30% de déduction, mais sur vos loyers. Mais si jamais vous avez beaucoup plus de dépenses parce que vous avez eu des travaux, vous avez des frais de notaire, ainsi de suite, lorsque vous achetez votre bien immobilier, il est sûrement plus intéressant pour vous d'être en régime réel. Donc achetez pas cher dans le bon marché, c'est bien. Trouver les bons biens, c'est bien. Avoir le bon mode d'exploitation, c'est super. Mais si jamais à la fin, tu te fais ramasser avec une imposition qui est importante, c'est-à-dire ta tranche marginale d'imposition plus la CSG CRDS, tu n'auras pas assez pour payer ton crédit. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'était l'idée, on va dire, générale à comprendre. Et pour ça, vous devez vous former. C'est-à-dire que avant même de passer dans les idées précises qu'on va voir ensemble, je vous expliquais notamment moi comment j'ai fait, mais aussi d'autres idées qui sont plus actuelles, puisque moi j'ai commencé l'immobilier en 2009. Il faut comprendre qu'il faut avoir voilà, toutes ces idées en tête et savoir les imbriquer correctement. Donc ça, vous regardez toujours en dessous, en description, il y a pas mal de formations, plus de 7 heures de vidéos, notamment dans un pack, c'est gratuit. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vous former. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo et je vais vous donner des idées qui sont intéressantes. Moi, comment j'ai fait déjà pour commencer à investir en immobilier alors que j'étais étudiant? J'ai commencé par les garages, tout simplement. Les garages, les places de parking, le stationnement. Pourquoi? Parce que une place de parking, ça dépend où est-ce que vous êtes, et un garage, ça dépend où est-ce que vous êtes. Grosso modo, ça, le prix va varier entre 5 000 et 20 000 euros dans la plupart des zones. Alors bien sûr, il y a des zones, ça peut aller beaucoup plus cher, mais ce n'est pas forcément très intéressant. Et en général, ce qui est super bien avec les garages, c'est que vous avez une rentabilité qui est importante. C'est assez courant d'avoir du 10% de rentabilité. Qui dit 10% de rentabilité aujourd'hui, même si vous prenez un petit crédit pour ça, vous allez avoir un cash flow. Alors le cash flow, il va être dimensionné au prix d'achat évidemment, mais vous allez avoir un cash flow. Vous allez acheter un bien, sa valeur va augmenter avec le temps, vous allez le payer et il va vous en rester un petit peu. Donc vous allez faire du patrimoine. Alors bien sûr, vous n'aurez pas ce gros effet de levier si vous prenez qu'un garage, mais vous pouvez les prendre par lot. Et si vous les prenez par lot, ce qui est intéressant, c'est que les frais de notaire en proportion vont être réduits. Parce que si vous achetez un seul garage à 10 000 euros, vous allez avoir une proportion de frais de notaire qui est très élevée. Par contre, si vous achetez 6 garages à 60 000 euros, là vous aurez une proportion de frais de notaire qui va se rapprocher des frais de notaire normaux qui sont de 8%. Donc moi j'ai commencé avec les garages parce que c'était la seule chose que je pouvais faire quand j'ai commencé en 2009. Et aujourd'hui, tout le monde peut commencer avec un garage. Deuxième possibilité, c'est la sous-location. Voilà, vous allez
louer un bien immobilier à un propriétaire à un certain prix et vous allez le relouer derrière à quelqu'un et vous allez le louer plus cher. Alors vous allez entendre souvent, ouais, mais c'est pas légal de faire ça. Oui, c'est légal, mais pour cela, il vous faut l'autorisation du propriétaire qui vous loue le bien et il faut faire un bail qui est spécifique. Voilà, très important. Attention, pour moi, vous savez, souvent on donne des conseils un peu à l'emporte-pièce sur YouTube, on incite les gens à faire des choses qui sont un peu, voilà, un petit peu folles quand même, il faut dire la vérité. Pour moi, faire de la sous-location, si vous n'avez pas encore acheté de bien immobilier, si vous êtes jeune, si vous avez peu d'épargne, c'est pas forcément ce que je vous conseille de faire. Parce que ben, vous allez devoir le payer quand même, ce loyer, voilà, au propriétaire. Alors bon, si vous êtes sûr et certain de pouvoir le payer, vous pouvez tester, il n'y a pas de souci. Mais faites attention, moi je ne conseille pas vraiment ça aux 100% débutants ou en tout cas à des personnes qui ne sont pas formées. Parce que si vous connaissez tout le mécanisme lié à l'immobilier et que vous êtes formé et que vous savez comment louer votre bien, gagner de l'argent, être dans le bon cadre juridique et ainsi de suite, ok, sous-location c'est le top. Vous pouvez faire beaucoup de choses, même s'il est toujours mieux d'acheter le bien immobilier puisque vous allez avoir l'amortissement de votre crédit et l'augmentation de la valeur de votre bien qui sera à vous. Quand vous allez le revendre, vous allez faire une plus-value. Donc, c'est intéressant d'acheter. Mais quand on ne peut pas, on peut sous-louer. Et il y a un dernier point que vous pouvez utiliser, une dernière méthode si on veut, si vous voulez aller plus vite. Si vous avez aujourd'hui peu de capacité d'emprunt ou vraiment des revenus qui sont trop petits pour pouvoir investir, en fait, c'est de vous associer pour bénéficier de la capacité d'emprunt de quelqu'un d'autre. Voilà. En général, vous avez quelqu'un autour de vous qui peut vous permettre de bénéficier de sa capacité d'emprunt. Que ce soit par exemple vos parents, s'ils ont des revenus et qu'ils n'ont pas d'emprunt ou peu d'emprunt, ou déjà une maison payée, un appartement payé, ainsi de suite, ils ont une capacité d'emprunt, vous pouvez vous associer avec eux. Ce qui est bien, c'est que c'est vos parents, a priori, vous avez confiance en eux, donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez aussi vous associer avec des amis et ainsi de suite, ou même avec des business angels, voilà, il y a pas mal de possibilités. Bon, la seule différence, c'est que si vous allez voir un business angel ou quelqu'un qui va s'associer avec vous, il va falloir lui démontrer concrètement que vous êtes capable de faire les choses, donc de trouver les bons biens, comme on a pu le dire, de pouvoir les exploiter correctement, de maîtriser tout le cadre qui va autour et ainsi de suite. Si lui, il a de l'argent, c'est bien qu'a priori, il sait s'en servir et il va falloir pouvoir lui prouver que vous savez faire les choses. Pour ça, il faut vous former. Voilà. Donc, regardez juste en dessous, en description, beaucoup d'outils pour vous former. Profitez-en. Et si vous avez d'autres idées de possibilités pour investir en immobilier quand on a des petits revenus et ainsi de suite, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça bénéficiera à tout le monde et on se retrouve très vite. Ciao.